Noch verhältnismäßig jungen Partnergemeinde Palo del Col in Diebesheim angekündigt. Doch leider ist der Transport der Bilder von Italien zu uns an der italienischen Gesetzgebung gescheitert. Erforderliche Ausfuhrstempel konnten leider nicht. Alors, je suis sans doute et je vous ramène de notre rencontre. Je vous souhaite à tous de passer ces quelques jours dans le but de renforcer notre amitié et notre jumelage. Et je vous souhaite de vous sentir ici à Diebesheim comme chez vous. C'est en 1991 que les artistes amateurs ont eu l'occasion de présenter leurs œuvres pour la première fois dans le cadre d'une rencontre de jumelage. C'était lors du 20e anniversaire de jumelage avec Romilly-sur-Andelle. Et c'était à Romilly-sur-Andelle. Et le titre de cette exposition était L'art amateur. Künstlerfreunde aus Romilly-sur-Andelle ermöglichen uns dies. Freunde aus Palo del Col konnten leider wegen Problemen nicht kommen. Nous voulions en fait montrer aujourd'hui notre première exposition européenne de jumelage intitulée La créativité de trois pays, l'Allemagne. La partie absolument officielle est en terminée. Monsieur Madame a expliqué que nous allons vous appeler chacun d'entre vous. Surtout pour vérifier aussi si vous avez trouvé la personne, la famille d'accueil qui va vous recevoir. Vous allez recevoir par la même occasion un petit cadeau d'accueil dans lequel vous trouverez en plus justement de ce verre un autocollant. Je précise qu'il n'a pas été mis sur le verre parce que nous avons pensé qu'éventuellement vous le mettrez ailleurs, par exemple sur la voiture. Et en plus, il y a une petite, un petit prospectus concernant l'exposition actuelle. Quelques renseignements sur l'endroit où nous allons dimanche et un programme en français. Et le plus important concernant le programme, c'est la réunion des comités qui aura lieu demain à 9h30. Monsieur et Madame Alain Brunel, avec Monsieur et Madame Opitz,